On va donc appeler son frère, le frère Donga, qui l'a connu depuis qu'il est tout jeune. C'est le mieux placé pour. Que Dieu bénisse. Bon, vraiment, Maman Diop, il te bénisse. Merci pour avoir permis ce rassemblement. Le vieux, il te bénisse. On est arrivé à toi, félicitations. Tu fais tu es un beau Donga. Papa Dieu, il te bénisse. Bon, je suis Donga Toussaint. Donga, je finis là, Chantal. Et puis après moi, il y a Donga Ange. Nous sommes trois là ce soir. 14 enfants que nous étions. J'étais deuxième. Mais papa est tout le bon. Quand le père nous a lâchés, nous a devancé en 2002, c'était lui, le papa. J'étais en ce moment au privé, j'enseignais au privé. Il m'a aidé, il m'a donné l'argent pour me couper dans l'UNES. Et je suis entré à l'UNES. Par grâce de Dieu, et au Dieu, je suis enseignant là-bas à Divo. Après la recteur, Marie-Ange, Chantal, Jean-Baptiste, Apollinaire, bon, et j'en passe. Et cela, mon bêtis a supporté. Et on a souffert. Mais Dieu merci. Et nous avons pris un chemin qu'on se marie. Rassemblement, l'amour des uns des autres. Et ce frère-là, depuis petit, je l'ai suivi. Je l'ai aimé, je l'ai adoré, c'était mon idole. On jouait ensemble. Quand tu jouais, je jouais à lui parce que j'aimais jouer comme lui. J'aimais faire comme lui. Grand joueur, grand buteur. Moi aussi, j'ai peut-être marqué les buts aussi. À l'école, intelligent, moi aussi je l'ai suivi. Moi c'est chaud, mais le grand frère n'est pas chaud ici. Là. Moi aussi, il faut qu'il soit admis. Là, comme ça, c'était nous deux. Quand on dit lui, et puis on dit moi aussi à côté. Mais c'était comme ça que je marchais avec lui. Pour moi, heureux d'avoir un frère modèle. Et je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas. Oh, Dieu m'a laissé. Il était tellement lourd. Mais ce sont là, ils vont m'aider à supporter. Pas facile, hein. C'est difficile. Vraiment difficile. Et chaque jour que Dieu fait, je ne sais pas, bon, moi, bon, ça n'est plus cette chose, mais moi, je peux me lever à 2 du matin, et puis toujours sur mon frère. Toujours mon frère. Toujours mon frère. Cette affaire, c'était là, qu'est-ce qu'il avait fait ici? Comment est cette situation? Et comment faire? Je suis jamais pressé, toujours calme. C'est chaud, comment? Le grand frère a dit, laissez-le, il sourit. Il sourit. Et tu peux même. Il sourit. Et cela m'a laissé moi aussi. Donc quand une situation arrive, je souris. Comment tu fais? Non, c'est pas ça. Ça vient d'un grand frère. Et le grand frère influe sur moi. Amen. Et quand on était de 9 fois, j'ai fait des enfants. J'en faisais beaucoup. Et puis il me dit, mon petit frère, une fois, Bernard me disait à son fils Billy Paul, c'est vrai que Dieu a dit, mais Dieu veut, même si la terre, mais il t'a pas dédié, toi seul, tu pourras le faire. Donc toi aussi, frère, a été. Il dit, j'ai compris, grand frère. Là, j'étais au 5e, mais il a fait 6e. Je lui ai dit, mais il dit, non, c'est bon. Il m'a dit, t'as été, là, j'aurais été. Là, il n'est plus là pour voir. Et ce qui fait que, j'ai ma fille, j'ai une fille qui est née, mais lui a vu comme lui. Et puis bon, j'ai une qui est née le 29 juin. Et donc, il voit bien qu'il était malade, il était mourant. Il pouvait mourir depuis le vendredi. Mais il m'a attendu. Il m'attendait moi. Que le jour de l'anniversaire de ma fille tombe, c'est 29 matin, là, qui m'appelle, me dit, quand ma peuple me dit, petit frère, tout ça, ton frère n'est plus. Je dis, gloire à Dieu. Il sait le lien que nous avons. Il m'a marqué. Et ça me marque. Mais pas de là tout, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui me fait, ce qui fait que je suis heureux, moi, Donga, d'être fier, je suis fier, c'est le message qu'il m'a apporté. Amen. Au-delà de tout ce que je peux avoir, de toute vie qu'il a vécu, le message.
Même si je n'ai plus dans la même église que lui, mais le message. Parce que c'est ça d'abord. C'est d'abord. Mon âme est sauvée par le message. Cette vie-là, c'est lui qui nous l'a donnée. Et tant que c'est en moi, ce sera toujours lui qui sera en moi. Et sa famille, donc toute la famille d'Onga, nous voulons vraiment vous dire merci pour le soutien. Parce qu'on nous a vus depuis le début, tout déroulé jusqu'à la fin, jusqu'à son inhumation. Même quand on va encore au village sur la tombe, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile. Nous l'aimons toujours. Il ne sait pas comment faire pour oublier un tel homme. On ne peut pas. C'est la mort, on peut même l'oublier. Mais c'est que quand la mort vient, la mort est un gain pour nous. Parce que là-bas, on est trouvé pour encore continuer de danser, de chanter. Parce que c'est ce qu'il aimait surtout. Chanter, danser. Et louer son Dieu. Il a dit, hey, pasteur, mais malheureusement, il n'a pas cette vocation. Comme moi aussi, il n'a pas cette vocation. Je veux prêcher, mais il ne permet pas de prêcher. Pasteur, vous priez pour moi, je vais prêcher. Et si à vous, je ne permets pas le faire. C'est pas ma vocation. C'est enseigner grand-mère, autres leurs enfants. Là, je sais le faire. Et donc, veuillez m'excuser si je suis arrivé là-bas. Mais sachez que cet homme-là, comme le dit le pasteur tout à l'heure, on peut créer un acte sur lui, des actes sur lui. Tellement il était rassembleur. Bon, père, il tient ça de moi, papa. Papa, ce côté aussi. En deux mères. Bon, vraiment. Et jamais on a vu Donga, donc moi pas la bleue, on pas à deux poids, deux poids. Jamais à deux poids, deux poids, on va se fâcher. Il rassemblait les deux côtés. Toujours il rassemblait les gens. Toujours les gens. Mais en toi, ton petit frère, qui est, parce qu'on peut dire était prête. En ton père, toi, qui est prête même. Toi, tu es venu rassembler les gens, tu es venu corriger les gens, placer les gens en ordre. Et c'était le rassembleur qu'il était. Et qu'il a vu que toute la façon de se donner à rassembler en une union. Il a tout placé et puis il est parti. On a suivi dans l'union, avec le terre, comme étant trésorier. Et aujourd'hui, côté des sept, on dit non, côté n'est plus, tu deviens président de l'union. Il dit non, c'est pas moi. Nous sommes trésoriers de la famille. Non, c'est toi qui remplace le côté, c'est toi. Mais toi là. Donc il m'a placé à un niveau tellement élevé, sans baisser les moyens. Parce qu'il dit maintenant, il y a l'argent. Comment gérer? Ok, d'accord. Tu veux dire vraiment merci. Merci à tous qui sont venus ce soir pour assembler, pour dire merci encore à ce bon homme-là et continuer à prier pour lui. Pas prier pour le plus, prier pour sa famille et ses enfants. Lui, pour lui, c'est fini. On a fini de prier pour lui. C'est sa femme et ses enfants. Et Jésus est là, Dieu merci, responsable de son frère là-bas. Je pense à Jonathan, je pense à Josaphat, je pense à Josias. Que Dieu les bénisse, les fortifie là-bas. Ma Betty, encore merci. Que Dieu bénisse tous.